Thierry peut-être. Natacha. Eric. C'est vrai, c'est Eric. Bah, quand c'est pas Eric, c'est genre. Et quand c'est pas genre. Muriel. C'est des panépices. Pas de légumes. D'accord. Alors. Mais alors, ça, c'est à découvrir, hein. C'est fabuleux, hein. Pas de légumes. Ah oui, ouais. La betterave, ça a un goût assez fort. Hein. Ah, des doux. Il y en a plus fort que d'autres, quoi. Il domine, il y a des dominants, ouais. Goût dominant, tu vois. Bah, c'était convivial, en tout cas, Eric. Hein. On lui souhaite plein de succès. Ah, oui, et on va en parler. Ah, hein. Voilà, voilà, Loulou. Le panier. Bien dans le fond, hein. Demi. Un demi. C'est un demi verre de riz pour les Normands. Et c'est une bonne réponse de la bande. Les Normands. Ok, les Normands sont chauds, les Normands sont chauds. La dernière. Merci. Oh bah c'est nous. C'est une partie de la journée avec nous. C'est nous. Les soupes déjà prêtes. Ou alors en plein préparé, comme ça en conserve. Eux, là, est-ce que Natacha est parmi nous? Natacha Rugy. On va quand même l'appeler. Qu'est-ce qu'elle sent comme particularité des soupes? Ils ont une circonstance. Jamais grand mec, jamais trop grasse. Jamais trop les deux. À bientôt, Natacha. Quel numéro là, après? Deux. La deux. Numéro 3. Bah oui, c'est vrai qu'en bouche, t'as de la matière. Hein. De la marge, voilà. Je peux manger tout à l'heure des huîtres, contrairement à autre chose. On va pas manger un cassoulet à 8 heures, puis des huîtres, on prend des huîtres. Ah! Ah oui? Quand on part au boulot. Bah ça te donne un coup de fouet. Merci, maman. Merci beaucoup. Hein.